Oh merde. Pour commencer, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Laurie et toute la bande pour partir sur un show FMX. Alors là les gars, avec Laurie on crevait fort. On redoutait ça. On s'est dit non, ils sont pas capables de le faire et tout, c'est pas possible. Oh l'horreur. Regarde, on dirait de... Je suis pas bien gros, ils sont pas bien là. T'inquiète, je conduis, t'emmerdes pas. La vidéo commence très mal. On est toujours pas arrivé, qu'on a déjà deux flics qui vont nous arrêter dans 30 secondes. Ouais, ils sont tout seuls dans les bagnoles, c'est bon. Là, je vois plus rien là, ça y est. J'ai pas de lave-glace. Parce que vous réalisez pas l'odeur dans la bagnole. C'est horrible, hein, j'ai envie de mourir. Là, vraiment. Bonne vidéo. Oh frère, oh. Ah les gars, j'ai envie de crever, regardez la bagnole, putain. Regarde, il y en a partout, putain. On a 1h30 de route. Dehors encore, ça va les gars, c'est à l'intérieur. L'intérieur, ça tire. Le téléphone, on a partout. Le short, la cuisse. 5 jetons, 10 balles. Regarde ça là. Ah, la vache. Donc on a acheté un petit gel Carrefour et on va au McDo. Parce qu'on est brodé. Ouais. C'est ouf. Tiens. Et je vais l'arracher. Ça va être génial. Vas-y, on commande, on se lave. On commande avant, on commande avant. Ah oui, parce que comme ça, on perd pas de temps. Vous nous voyez bien, j'espère. C'est la première et la dernière fois qu'on fait ça. Tu vois pas là ? Quoi ? Là, je glisse. Oh, Victor, j'en ai plein le dos, frère. Bah, faut que tu me laves. Ouais. Tu peux pas le faire tout seul. Putain, mais on peut pas se laver dans un délit. Ah, ça pue fort. Merci, là. Toi, t'as été tellement mal intérêt. Ah là, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ça va, ça va. Non, ça va pas. Je suis en train de me laver dans le lavabo du McDo. C'est bon? On te rappelle? Ouais. On se douche. On te rappelle, là, on finit de se doucher dans le McDo. Dans une demi-heure, on part. Parce que la bagnole, il faut qu'elle sèche là. Vas-y, à tout de suite. Mec, c'est quelqu'un qui rentre dans les shops, on est mort. J'en ai rien à foutre. Merci les potes. Hein. Oh là, il y a de la poussière là-dedans. Accueil très chaleureux, un peu humide mais chaleureux, un peu gras. On a laissé un quart d'heure là-bas. J'ai déjà dit non. On filait en haut. Excuse, je croyais que c'est... Eh bah... Non, il y en a arrivé rocambolesque quand même. C'est pas une capote usagée, j'espère, les gars. C'est pour la mineuse, c'est pour le niveau de vie, là. Et on peut faire un tour de quad, les mecs, ou pas? Merci, Evan, de nous déposer. Non, moi je fais pas de mobilette, moi je reste sur le plancher des vaches, ça me va très bien. Je vais peut-être faire un tour d'hélicoptère ce week-end, mais c'est pas sûr. Parce que je sais pas s'il va réussir à remonter les nuages. C'est vrai? Il va être comme ça. Ici chez nous, quand on veut faire des choses un peu dingues, on dit à pas peur, à pas mal. Donc on y va. Ah bah ça non, mais j'ai pas mal. Ouais. T'as pas soif, t'as? Si. L'abus d'alcool est dangereux pour votre couple. C'est peut-être pas faux, ouais. Je vous nomme pupitre. Et j'ai fait un réel l'autre jour, 529. A mon avis, j'ai fait péter le démarreur, ça va y aller comme d'anniversaire. Bon, on est pas des paysans à ce point-là, nous. Enfin, pour moi, vas-y, hop, 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 c'est plein. C'est un débordement, c'est une piscine. Ouais, ouais. Avec Mathieu, Johnny. Le plus riche de mêlée. Enchanté. Donc là, on fait la petite promenade champêtre du matin. Tu vois bien? Dans le Fent. Dans le Fent. Bon, là, j'ai trahi la biquette. Désolé, mon polo. Il n'y avait pas de biquette de dispo pour nous ce matin, du coup, on est dans le Fent, mais ça n'a pas l'air trop mal. Ça a l'air de tourner quand même, on va pas se mentir. Toi quand même. Prends le couteau, toi innocent. Ça passe, ça passe. Rigole, ça passe, vas-y, mais arrache tout. C'est bon. Somme la porte, tu veux, ça passe ou pas la porte? Ça passe, vas-y, arrache, vas-y, arrache. J'ai un copain qui est assureur, hein. Eh, Briac, tu vas te faire engueuler.
Tu vas te faire engueuler, toi, pas sur la poille. Mais il est pour rouler sur la poille, il est en train de déraper sur la terre. Mais oui. Il est sous notre gueule, ouais. Espèce de grand con, ouais. Oh, ok, merci à l'organisation pour le micro. Vous venez de faire l'erreur du week-end. On va voir si les fans du Dodge sont en forme ou pas. Après, on va tester le parfum encore de moi. Il a pas. Oh merde, pas, non, merde. Pas mal, hein, le caractère il est cool, la bosse elle est stylée, ça va envoyer du gros et tout, la moto elle craque, la voiture elle craque, le pneu il craque, sa mère elle craque, va bien heureuse. Il y a un pneu pour qu'on puisse descendre allongé dans le pneu, et on fait 10 personnes remises à celui qui achète le pneu derrière. En vrai il en achète 4 parce qu'il en faut au moins 2. C'est le matin, Miss Mute qui fait du Miss Mute, Laurie qui fait du Laurie. Le temps est pourri, mais les gens sont morts de rire. C'est juste l'échauffement, je pense que ça va être légendaire. Ça va être très simple. Là, Sylvain, il va s'avancer avec le Dodge. On va décharger la rampe et on va la mettre en place. Et puis après, freestyle. Lui, il tape avec la pelle et il creuse avec la masse. What the but avec you, best papa. Avec les phénomènes. Un chapeau au groupe Groupama. Ah oui, putain, j'ai oublié ma capote là-bas. On va aller essayer le tracteur de monsieur, si c'est un jeune dire, biquette. On va aller faire un petit tour. Ok. Bon, là, les gars, on est en train de tester les tracteurs pour l'événement. Là, ça va y aller fort, fort, fort. Là. Attention. N'ayez crainte. On paraît dangereux, on fait peur, mais je vous assure qu'on sait ce qu'on fait. Toujours mon tracteur. Allez, je finis les tracteurs là, je vais aller bosser et faire le tracteur là. Merci. Bon, on est devenu copain avec la buvette. Miss toujours en train de charger Miss Mute. Regarde la récepte, elle est bijou. Là, elle est magnifique. Ça m'énerve énormément. Miss Mute. On va déplacer mon gars jusque là-bas. Très vite. Parce qu'il y a rien qui arrive. Bon, on va mettre Laurie dedans. Moi, j'y vais pas, je suis déjà blessé, mais Laurie va aller dedans. Tu peux monter là-haut, tu penses ou pas? Qui c'est qu'on remercie? Julien, Maxa, vraiment, tout le monde! Parce que là, on part pas trop loin. Laurie est arrivé, le pneu est arrivé. Venez, ça va être un grand moment dans l'histoire de l'agriculture française. Notre demi de mêlée peut-il venir? Ok, 3, 2, go! En vrai, premier degré, c'est hyper serré. Lucas, 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 Lucas. Est-ce que t'es chaud? Ouais. Bon alors, je t'explique, tu mets les mains en haut. Voilà, très bien. Et après, tu pries, ok? Ça va, ça se passe bien? Comment tu vas? Pourquoi tu m'as pas si loin? C'est chaud, le truc, ça. Tu es bourré derrière? Alors, on va la rentrer quand même. Regardez le John Deere, s'il vous plaît, par là. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'elle sèche. Mais t'es con, même pas ça là. Si, si, faut qu'elle sèche. Toi, t'es tombé dans la bonne casse. Ah, je l'ai baisé de John Deere par contre propre. Hein. Je lui ai fait l'exter.
Eh, tu me la prêtes ta trottinette? Pas la mienne. Oh le con. C'est comment ton prénom, t'as Maurice? Bismuth. Laurie, c'est l'autre. Moi, c'est Bismuth. Bismuth. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu de licorne à Louvigné. Et encore, t'as vu que la petite là. Ah putain. À ce qui paraît, tu en as une magnifique. Ouais. Elle est décorée de partout. Non, c'est pas lui. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes complètement bizarre. Il doit vendre les trucs, il est complètement bleu. Il est bleu avec nous. Il vend rien. C'est la sixième bière pour Beck. Dans les soirées, on finit tous ensemble. Dans les chiottes, on vomit nos entres. Aïe, 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 aïe. On doit les remplacer. Et voilà, le groupe champêtre Saint-Joseph Musical High School. Les moissonneuses. C'est ça, les maçonneurs, maçonneurs. Et là, du coup, on soupe dedans, c'est ça? Là, c'est pour... Tu vois, regarde, tu vas comprendre pourquoi je fais ça avant. Mais il y a de l'expérience maintenant, j'ai été en colo. Putain, ça c'est un vrai copain. Il est prêt à mettre la main dans la merde pour nous. Oh. Oh, ça c'est détruit. Emporter la vidéo, celui qui fait rentrer Marguerite. C'est qui Marguerite? C'est la vague du voisin. Et s'il rentre la copine, il a un point bonus pour la prochaine vidéo. Et la vérité, on parle pas bon et un loup. Ça dit quoi d'un ton cul? Passeur à qui? Et la pompe au frigo, ils vont nous régaler. Il l'a pris. J'ai mis la vodka dedans. Putain, ça m'a coulé dans le fion. Et je vais te voir avaler. C'est ma petite licorne. J'ai mis la vodka. Oh, wow. Laurie, tu sais toutes les crasses que tu m'as fait. Bonne nuit, Laurie. Bonne nuit, Laurie. À demain. Regarde, photo clair. Ça, c'est la tenue idéale quand tu vas sur les cheveux FMX de Sylvain. N'hésite pas. T'as bien raison. Non, pas tout. Allez. Jim Jordan. Ah ouais. Oh. Moi, prendre son téléphone et noter le numéro gagnant. Le numéro gagnant, 07 78. Je répète, 07 78 24. Envoyez tous les nudes sur ce numéro. Numéro de Victor Bismuth. Ouais, les gars, on va voir la course de moissonneuse batteuse. Je sais pas comment ça se passe. Il paraît qu'il y a souvent des blessés, souvent des tonneaux.
Je suis curieux de voir ça, moi j'aime la casse comme vous le savez. J'ai l'impression que c'est comme une 50, ça fait beaucoup de bruit, ça n'avance pas. L'intérêt de ma présence en Michopé est que on m'a donné une feuille hein, depuis que je suis la Fédé et que je suis parti de l'Orga. Hein. On m'a donné une feuille pour les pénalités. Là ça va y aller par contre. Si j'aime pas, celui qui a pas un super smith but sur sa machine, il n'y a pas de pénalité déjà d'entrée. On va bien venir. La biquette à fond, la biquette. Allez Dudu, énervez-vous un peu. Allez la biquette. Allez la biquette à fond, la biquette. On m'annonce dans l'oreillette que les courses sont truquées. Pouvez-vous nous en dire un mot, s'il vous plaît? Coup de stylo fuse. A few moments later. Alors maman, t'es sale? Ah mince alors, maman. Nous allons déjeuner, on se retrouve d'ici une petite heure pour la boîte de jour. Par où commencer avec tout ce qui s'est passé? Entre la route avec les œufs et tout. J'ai la rencontre des tic-tac là. Ah ouais, quoi dire de plus à part que tout a été freestyle, autant à la maison comme ici, la météo. Super week-end, conditions parfaites aujourd'hui parce que c'est pas donné. C'était vraiment un méchant plaisir. Un méchant plaisir, surtout les flammes mon gars sur la caisse, c'était passé par tout ça. C'était... Bon les gars, toujours aussi impressionnant le show freestyle. Je suis tout calme parce que c'est impressionnant de les voir, ça fait 3 shows d'affilée qu'on regarde en 3 heures. C'est assez impressionnant, j'ai adoré, moi je suis fan, en plus c'est des potes donc t'as pas du tout envie de les voir se louper. L'événement top, hormis hier malheureusement la pluie qui faisait que. Je tenais à remercier aussi Sylvain Masson de nous faire confiance pour ces événements parce qu'il nous laisse faire le show, ce qui nous permet de nous promouvoir et de nous mettre en avant à la même occasion. Merci à l'événement de nous avoir reçus.